Bémol. Stromae, le million d'albums vendus avec Racine Carrée. Stromae a atteint le million avec son album Racine Carrée. Sacré artiste masculin de l'année à la dernière cérémonie des R&G Music Awards, le chanteur termine 2013 en beauté. Joyeux Noël Stromae. Ce dimanche 22 décembre, le chanteur belge a reçu un cadeau du Père Noël en avance en passant le cap du million d'albums vendus avec son deuxième album baptisé Racine Carrée. Pour son premier opus, plus intitulé Cheese, Stromae était parvenu péniblement à vendre 75 000 exemplaires en 3 ans d'exploitation. Avec ce dernier album porté par le titre Papa Outer, le chanteur avait déjà fait mieux en une semaine, à peine avec plus de 80 000 exemplaires vendus. L'album Racine Carrée reste depuis en tête des ventes d'albums, même si le deuxième volume de Génération Goldman, Florent Pagny ou encore Céline Dion sont parfois parvenus à le détrôner avant que ce dernier ne reprenne la tête du classement pour la 16e semaine non consécutive sur 18 exploitations. Comme l'annonce nos frères de Pure Chat, après avoir récemment dévoilé son troisième extrait baptisé, Tous les mêmes, Stromae, qui a récemment refusé de participer aux Enfoirés, a de nouveau vu ses ventes d'albums progresser en écoulant 182 000 disques supplémentaires du 16 au 22 décembre. Avec cette nouvelle hausse inattendue, l'interprète de Formidable atteint le million. Un véritable exploit lorsque l'on connaît la crise que traverse le monde du disque. Bravo Stromae!